Des touristes se retrouvent piégés dans le parc Disneyland de Shanghai. Hier, moins de 3000 cas de Covid ont été détectés en Chine, dont 10 asymptomatiques à Shanghai. Et avec la politique zéro Covid en vigueur dans le pays, cela a suffi aux autorités pour décréter un confinement d'urgence. Conséquence, le parc Disneyland a dû fermer ses portes immédiatement avec l'ensemble des visiteurs qui se trouvaient à l'intérieur. Ces touristes ont eu pour interdiction de quitter son enceinte tant qu'ils n'ont pas été testés négatifs. Afin de divertir les visiteurs coincés, les attractions ont continué de fonctionner et les touristes ont finalement pu sortir au bout de 10 heures. Mais tout n'est pas fini puisque toutes les personnes qui ont visité le parc depuis jeudi doivent présenter 3 tests négatifs réalisés durant 3 jours successifs. La Chine est le dernier grand pays à appliquer une politique zéro Covid. Cette stratégie pèse sur le moral des habitants et impacte lourdement l'économie du pays. Le FMI prévoit une croissance de 3,2% cette année pour la Chine, soit la plus faible depuis 40 ans, hormis 2020.